Petit essai une nouvelle fois de MT-07. MT-07 Night Fluo de 2016. Voilà, MT-07 Night Fluo de 2016, ligne MIV, un petit guidon rental un petit peu plus bas et un poil plus large. Donc là, il a enlevé la chicane. Voilà, avec l'ABS, avec des pneus, je crois, c'est le PR5 à l'arrière. Les Rod 5, voilà. Jolie petite moto. Moi j'aime bien. Les MT-07, j'aime bien. Bon, le seul défaut, enfin le seul truc que j'aime pas trop forcément, c'est les suspensions. Sur toute leur gamme MT, Yamaha a mis des suspensions un peu souples. Mais bon, au pire, une petite prépa et ça passe. Après, honnêtement, pour les trois quarts des utilisateurs, les suspensions d'origine, ça suffit largement. Les bicylindres, ça envoie. Ça marche bien ces petites bestioles hein. Donc comme je disais, voilà, suspension un peu souple. Alors pour les personnes qui sont pas très lourdes, ça va. Pour les grands gabarits comme moi, dès que tu commences à peser plus de 80 kg, je trouve que ça commence à être un peu souple. Mais bon, c'est pas non plus une horreur, hein.
Beaucoup vont te dire que c'est de la merde, ouais bon c'est pas ouf mais ça va, la moto elle roule, elle tient la route. Tu vas pas tomber à chaque virage parce que les suspensions sont souples quoi. C'est qu'un 700 entre guillemets, mais putain le bicylindre avec la reprise, c'est vraiment bon. Bon la ligne ça chante hein, sans la chicane, mais avec la chicane elle est plutôt discrète et là sans la chicane ça crache. Avec le guidon rental comme ça aussi, allez, la position est plus en avant. Honnêtement, c'est vrai qu'avec le guidon d'origine, t'es bien, t'es vraiment bien installé, mais c'est pas beau, c'est voilà un peu trop droit. Là, t'es un peu plus en avant et j'aime bien.